chercher. Luigi, le marchand de poissons du quartier Samar. À bord tous les habitants de la maison. Buona giornata. Pas trop dur, petit frère? Biscero. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace est écartée. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Alberto? Le respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message? Oui, père, mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Ezio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elle. Vous êtes sûr? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Ezio. Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à deux pas d'ici. J'ai appris que tu t'étais battu avec Vieri. Qui, moi? Per piacere, ne joue pas ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco De Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais je ne l'aurais cru capable de commettre un meurtre. Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin? Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable, mais ce sera bientôt terminé. Nous y sommes. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mère. Allons-nous chez vous à présent? Oui, oui. Ezio, aide Leonardo, veux-tu? Alors, Ezio, tu as un travail? Oui, il travaille avec son père. Ah, tu veux devenir banquier? Peut-être. Et toi? Tu es artiste. La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... comment dire? De finalité. Tu comprends ce que je dis? Je voudrais que ma contribution soit plus concrète, plus directe. L'architecture, pourquoi pas? Ou l'anatomie? Je ne peux pas te satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh, Leonardo, vous réaliserez de grandes choses. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, madone. Vous êtes trop aimable.
Buongiorno. Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire. J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Hey Claudia, ça va? Bene. Et tu es sûre que tu ne me caches rien? C'est Duccio. Qu'a-t-il fait? Eh bien, je crois qu'il me trompe. Qui t'a dit ça? Les autres filles. Je les prenais pour mes amis. Les garces. Tu ferais bien mieux de les oublier. Je l'aimais. Non, Claudia. Ça, c'est ce que tu croyais. J'espère qu'il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ne bouge pas. Je vais aller lui dire deux mots. Compte sur moi. Sûrement, mais où est-ce que je l'ai déjà dit, Tom? Duccio, elle est magnifique. Tu sais que rien n'est trop beau pour toi, amore mio. Que fais-tu de Claudia? N'avais-tu pas l'intention de l'épouser? Mon père m'a dit que je ne devais pas me contenter d'une auditore. Oh, birbante! Viens, marchons un peu. Marcher? Figure-toi que j'avais autre chose en tête. Oh, Duccio. Hé, hey, lurido porco! Ezio, mon ami! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu insultes ma petite sœur en t'affichant avec cette putana. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ce que tu lui as offert. Et j'ai tout entendu. Si ta sœur avait mis moins d'empressement à protéger sa vertu, peut-être tu lui as brisé le cœur. Ah, et maintenant, je vais te briser la mâchoire. Les auditori parlent beaucoup, mais pour ce qui est de passer à l'action, je vais te faire ravaler tes paroles. Basta, je me rends. Ne t'approche plus jamais de ma sœur. Qu'est-ce que tu fais dehors, Petruccio? Tu n'es pas au lit? J'ai besoin de ces plumes.
Pourquoi? C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer? Oui, c'est promis. Voilà, comme promis. Grazie, Ezio. Tu ne veux pas me dire ce que tu veux en faire? Si, mais plus tard. Je n'ai aucun doute là-dessus, et mes voisins non plus d'ailleurs. Je vous en prie, donnez-lui une bonne leçon. Là-bas, c'est lui. Mais c'est de la folie. Attrapez-le. Tadato, elle a gagné. J'abandonne. Quel garce. Je veux dire, quelle femme. Bon, je rentre. Ezio, approche, mon fils. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité.
Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene, je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait, nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie, mon fils, surtout évite les ennuis. Hmm? De faire ça. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie, par hasard. Donne-moi ça! T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. J'ai un élixir fait à partir de plomb et de betterave. Idéal pour toi. Hé, par ici! Ah. J'ai un paquet de... Giovanni Auditore? Oui. On t'a suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Dis à ton père qu'il parte ce soir. Il devrait faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, hey, revenez! Expliquez-vous! Pourquoi devenir mercenaire quand on peut défendre l'honneur de la République? Devrait lui apprendre les bonnes manières. Les jeunes hommes de la ville auraient même montré leur postérieur à notre honorable délégation. Oh. Oh. Buongiorno. Venez, mes amis, ma marchandise est exceptionnelle. Fresco, sempre fresco!